Bonjour, nous allons parler du bouquet. Effectivement, le bouquet, c'est une notion que tout le monde connaît en viager, mais on va aborder certains aspects précis. La première chose, c'est que le bouquet n'est pas une obligation légale. Donc, on voit régulièrement des personnes qui vendent en viager sans bouquet. Alors, est-ce que c'est désavantageux pour ces personnes, pour ces propriétaires? Certainement pas, puisque entre le bouquet et les rentes, s'exerce un jeu de vases communicants. Un gros bouquet va générer des petites rentes. Et un petit bouquet va générer des rentes plus fortes. Et a fortiori, s'il n'y a pas de bouquet, les rentes seront encore plus élevées. Donc, retenez qu'en tout cas, en matière de bouquet, il y a une liberté totale dans le chef du vendeur de décider s'il veut un bouquet, oui ou non, et quelle est son importance. Alors maintenant, vous allez me dire, la tentation est grande de demander un bouquet qui est énorme. En théorie, on peut le faire. En réalité, on ne va pas trouver d'amateur pour un immeuble si le bouquet est supérieur à 10 ou 15% de la valeur de votre immeuble en pleine propriété. Prenons un exemple, votre appartement vaut 200 000 euros. Retenez que le bouquet sera probablement entre 20 et 30 000 euros. 10-15% de la valeur en pleine propriété pour des vendeurs qui ont aux alentours de 70-75 ans. La logique est évidemment la suivante, plus le vendeur est âgé, plus il est légitime de lui proposer un bouquet élevé. Si on pousse les choses à l'extrême, un centenaire dont l'espérance de vie est très courte sera beaucoup plus à même d'exiger un bouquet important qu'une personne qui a 65 ans. Donc retenez que la norme du bouquet, c'est 10-15% de la valeur de votre maison ou de votre appartement, mais que si vous avez 80 ans et plus, vous pourrez probablement demander un bouquet qui est supérieur et qui va de 20 à 25%. Alors en conclusion, choisissez toujours un bouquet qui correspond au marché, mais qui correspond aussi à vos besoins. Il est inutile de demander un bouquet important si vous n'avez pas besoin de fonds immédiatement. Privilégiez alors le paiement des rentes, qui est un revenu régulier sur une très longue période. Alors, si vous êtes intéressé en viager, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une estimation gratuite. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup.